Hey, bonjour les amis. Today, aujourd'hui, I'm gonna read one page of a French or more exactly Belgian bande dessinée, comic book, graphic novel. So it's called L'énigme de l'Atlantide, and it's by Edgar P. Jacobs. And it's a very famous bande dessinée series. It's Blake and Mortimer. Blake and Mortimer. It's really good. I highly recommend reading that bande dessinée, Blake and Mortimer. Okay, so what I'm gonna do is that I'm just gonna read it. And I don't think I'm gonna translate or do anything. Maybe I'll make a comment, one or two comments, because otherwise it takes too long. It's too much pressure on me to translate on the spot. So if you want to practice your pronunciation and your accent, I think it would be good if you follow along. Me myself, I'm from the Paris region, so I don't think I have much of an accent, so it's pretty neutral. So let's get started. So I'm just gonna follow the bubbles and just read them. So I'm gonna start at the beginning. Okay, so this is I don't even know. I think it's Blake. So la corde a dû se coincer. Il n'y a pas un instant à perdre. Il n'y a pas un instant à perdre. Here, there's a liaison between the S and the U. Du is a dû is passé composé verbe devoir, so a dû. And you have to put the accent circumflexe. Okay, the hat, le chapeau. Okay, so I'm not going to translate. Hein. La corde a dû se coincer, il n'y a pas un instant à perdre. Ok, second one. Et sans hésiter, so again, liaison, H is not pronounced, enfin, you don't, it's not a H aspiré. Et sans hésiter, Blake, le couteau au poing, plonge à son tour. Mais à sa surprise, il trouve l'eau du siphon troublée de boue. Ok? I just love the illustration. Top notch. So it is Blake. Ok, let's continue. Maybe I can comment here, maybe. So he is talking in the present tense. Yeah, so the siphon is siphon. So it's like this thing here. Okay, so let's move on. La vue ne porte qu'à quelques dizaines de centimètres, mais remontant le long de la corde qui le relie à son compagnon, il nage aussi vite qu'il le peut. Again, it's present tense. Remontant. It's participe présent remonté. Il nage aussi vite qu'il le peut. Ok, let's move on. I like so this is Mortimer in a desperate situation. And he's got the shoes. Oh man, awesome. Soudain, il l'aperçoit se débattant convulsivement pour se libérer de la corde qui, coincée, le retient prisonnier. Ok? Soudain, il l'aperçoit se débattant convulsivement pour se libérer de la corde qui, coincée, le retient prisonnier. Ok, let's move on.
Ok. Comprenant aussitôt la situation, Blake, d'un coup de couteau, tranche le filin et... So, filin is like a wire. Comprenant aussitôt la situation, Blake, d'un coup de couteau, tranche le filin et... Et, poussant le professeur à demi-inconscient devant lui, il le ramène sain et sauf. Il le ramène sain et sauf. Poussant le professeur à demi-inconscient devant lui, il le ramène sain et sauf. Tenez bon, mon vieux. Gloop. Yep. Ok, let's move on. Quelques instants plus tard. Again, liaison. Quelques instants plus tard. So that's Mortimer, that's talking. Tout a été bien. Tout a été bien, soit passé composé, être. Tout a été bien jusqu'au moment où j'ai fait demi-tour. Où j'ai fait demi-tour. Mais la boue détachée des parois et du fond par mon passage avait formé un brouillard opaque. N'y voyant plus goutte. So that's an expression like n'y voyant plus goutte. That means that you don't see anything anymore. So, not seeing anything anymore. Goutte is like a drop, a raindrop. So it's an expression. So, n'y voyant plus goutte, je me suis mis à. So, it's a liaison between S and A. Je me suis mis à tourner en rond. C'est alors que la corde s'est accrochée quelque part. Bon sang, j'ai eu chaud. Bon sang, j'ai eu chaud. Again, bon sang is an expression, like an interjection, that doesn't mean much. Bon sang, it means literally good blood. Alors, he's talking now, the other guy, Blake. Je comprends ça, mais alors, again, liaison, mais alors, ce siphon. Ok. Mortimer. On passe 25 yards, so I don't know why he's talking in English here. He should have said 25 mètres. Yeah, 25 mètres. Because they are both British, by the way. That's why. 25 yards environ, et la rivière continue en s'élargissant. Et la rivière continue en s'élargissant. Parfait. Allons-y alors. Allons-y alors. Je suis transi. Transi. Je suis transi, it means I'm cold. Je suis transi. Ok, let's move on. Un quart d'heure plus tard, le professeur et le capitaine. So, ok, yes, so I think Blake is the professor and Mortimer is the captain. Le professeur et le capitaine ont réussi à franchir le siphon sans encombre. Sans encombre. Sans encombre means that there was no obstacle. Puis ayant tant bien que mal fait sécher leur équipement, ils s'apprêtent à poursuivre l'aventure vers l'inconnu. Alors, on poursuit. La question est plaisante. Yeah, it's a funny question. Okay, let's move on. Ils suivent depuis 2 heures les mystérieux méandres de la rivière au paresseux courant. La rivière au paresseux courant lorsque l'eau soudain se met à bouillonner. Qu'est-ce que cela signifie?
gens disent qu'insensiblement, sa teinte vire bizarrement au pourpre. Tandis qu'insensiblement, sa teinte vire bizarrement au pourpre. So it means that the river is turning purple. Regardez, regardez. Elle devient rouge, elle devient rouge. Okay, so look, it's becoming red. Okay, so we are reaching the end of that page. Quelques phénomènes volcaniques, sans aucun doute. Écoutez, listen. Faisant frémir les puissants murs de la grotte. So that's participe présent. Faisant frémir les puissants murs de la grotte, un sourd grondement monte, menaçant des entrailles de la terre. So, un sourd grondement monte, menaçant des entrailles de la terre. Ok. Bon sang, un tremblement de terre. Well. Il ne nous manquait plus que, probablement ça, il ne nous manquait plus que ça. Mais Mortimer n'achève pas sa phrase. Damned. Qu'est ceci? Well, that's a weird way of asking what is this. Qu'est ceci? Usually you would say, qu'est-ce que c'est? Qu'est ceci? That's very weird. Qu'est ceci? Okay, so I'm gonna stop here because I don't want to make videos that are too long. So here I was just doing pronunciation, accent, and I didn't translate. I mean, if you think it's better for me to translate, please let me know in the comments and I will do so. So if you like this type of content, please like, comment, subscribe, and I will make more. See ya.